Salut! Le thème d'aujourd'hui sera très simple. Enfin, simple à expliquer, mais difficile à comprendre. Vous les femmes, je pense que vous avez compris sur quel sujet va être basée ma vidéo. On ne les comprendra pas, ils ne veulent pas qu'on les comprenne, ils font semblant qu'ils veulent qu'on les comprenne, mais en fait, ils nous demandent de les comprendre tout en faisant en sorte qu'on ne les comprenne pas, en nous envoyant des signaux, des symboles et des choses que... Non! Mais vous êtes compliqué à un point! Mais à un point! Sincèrement, il faudrait avoir un livre spécial hommes comprendre les femmes et les femmes spécial s'il vous plaît, faites comprendre aux hommes plus facilement ce que vous voulez et ce que vous ressentez. Oui, parce que j'ai compris au bout de 20 ans que votre maman réagira toujours comme votre copine plus tard. Pourquoi je dis ça? Quand vous demandez très simplement à votre maman: maman, tu peux me dire où t'as mis ma veste hier parce que j'ai vu que t'as rangé mais je ne la trouve plus du tout. Moi j'ai pas touché ta veste, ça va? Moi j'ai pas touché la veste, j'ai dû ranger toute cette maison ici. J'ai rangé toute cette maison et je n'ai pas vu ta veste. Tu sais, si seulement tu rangeais plus tes affaires, eh ben tu serais où t'aurais mis ta veste. Mais moi je n'ai pas touché ta veste, alors arrête de me mettre les choses sur le dos parce que moi j'en ai ras le bol, ça va? T'as qu'à plus ranger, être plus ordonné, ok? Ça c'était les mamans. Maintenant les copines, c'est un petit peu la même chose mais plus différemment. Dis chérie, hier quand t'étais chez moi, t'avais froid et en fait je t'ai prêté un pull. Tu pourrais me le rendre s'il te plaît? Pardon? Tu me traites de voleuse là? Moi j'ai pas ton pull et tu m'as jamais prêté de pull hein. Moi je sais très bien parce que j'ai toujours fait en sorte... Oh j'ai froid! Tu m'as au grand jamais donné ton pull, ni ne serait-ce que ta veste, parce que tu es un pur radin. Tu penses même pas à moi, alors ne m'accuse pas. T'as qu'à savoir où t'as mis ton pull parce que ton pull c'est pas moi qui l'ai. D'accord. Dans les deux cas, votre mère, qui le lendemain, en rangeant encore la maison, trouvera votre veste, elle va vous la mettre dans votre chambre, sur votre lit. Mais elle ne vous dira jamais, au grand jamais, que oui, effectivement, c'était elle qui l'avait rangée, mais qu'elle ne savait plus où elle l'avait mis. Enfin, jamais, jamais, une mère sait toujours où est-ce qu'elle range ses affaires, et où est-ce qu'elle met tout dans la maison. C'est pour ça qu'ils ne t'écoutent pas. C'est des conneries. Après cette intrusion plutôt gênante, nous allons continuer la vidéo comme si rien ne s'était passé. Donc où j'en étais? Ah oui, elle ne saura jamais, au grand jamais, où elle l'a mise. C'est bien compris. Le deuxième cas, votre copine. Quand elle rentrera chez elle, elle verra le pull peut-être sur son armoire ou sur son lit. Et le jour où elle reviendra chez vous, elle mettra ce pull-là sur une de vos chaises où, bien sûr, vous mettez vos vêtements et qui sont là en montagne pendant toute la soirée, toute la semaine, tout le mois. Mais elle ne vous dira jamais, au grand jamais, ou presque jamais, il y a quelques filles qui le font. Mais si vous êtes engueulé à cause de ça, elle ne vous dira pas que, oui, effectivement, c'était elle qui avait le pull dans sa chambre. Ils vous feront passer avec énormément de plaisir pour un con, parce que après vous allez trouver ce pull ou cette veste dans votre chambre et vous allez vous dire: oh mince, mais elle avait raison. Alors que non, c'est juste qu'une manipulation de femme, et je suis sûr qu'il existe un livre exprès pour comprendre et pour savoir comment manipuler un homme comme vous le faites. Mais je vous assure, je vous aime et je vous aimerai toujours parce que au-delà de votre complexité, eh bien je pense que c'est pour ça que les hommes aiment toujours et aimeront toujours les femmes compliquées. Alors les filles, une chose, j'adore votre solidarité entre vous. Pourquoi je parle de solidarité entre femmes? Parce que, croyez-moi les filles, je suis au courant. Dis, excuse-moi, je sais qu'on ne se connaît absolument pas, mais j'aurais une petite question. Tu pourrais me dépanner, s'il te plaît? Moi, je me dis, mais absolument pas que ça parle de ça. Moi, je viens, je vais chez toi, je te fais, oui, tiens, une cigarette. Non! Non, 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 les femmes, ça parle pas de ça quand ça parle de dépannage. Non, ça parle pas de voiture quand ça parle de dépannage. Ça parle de ces petites choses-là. Alors, quand une femme dit à une autre femme, excuse-moi, tu peux me dépanner? Elle cherche ceci. Ce petit emballage cache un long tube qui ressemble à une fusée. On peut me dire à quoi ça sert ça? Je ne connais absolument pas le fonctionnement des tampons. Tampax, tampons, ce que vous voulez. Je ne vois pas. Je ne sais pas du tout si je veux continuer. C'est pas que ça me choque. Un petit peu quand même.
Et voilà, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ici en bas. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.